C'est une soirée de rencontres exceptionnelle grâce à votre présence qui regroupe les forces vives du judaïsme français et aussi tous les amis, précieux soutiens du grand rabbin Corsia. Français et républicain, juif respectueux de la tradition et amoureux de Sion. En réalité, c'est là tout simplement le programme du grand rabbin de France. Au-delà, évidemment, de la connaissance talmudique, biblique, ce qui est important, c'est cette sensibilité humaine. Et je pense que vous reflétez ça naturellement. Monsieur le grand rabbin de France, vous qui êtes un homme concerné par toutes ces actions et qui avez su montrer votre engagement, vous qui êtes candidat à votre réélection, nous attendons des propositions concrètes, préventives du rabbinat pour sécuriser la dignité des femmes dans le processus marital, dans son ensemble et dans toute la France. Une des forces principales de Frère Corsia, c'est son authenticité. Toujours le même dans toutes les circonstances. Chaleureux, bienveillant, intéressé par l'autre, reconnaissant. Alors Chaim, la communauté dans toute sa diversité a besoin de toi. Le lendemain de l'attentat de l'hypercachère, il y avait énormément de monde. Nous avions tous besoin d'être là. C'est Chaim Corsia qui, par texto, envoie la prière pour la République à Sacha Lengewietz pour qu'il puisse la déclamer devant les caméras du monde entier pour dire à la fois l'horreur, mais pour dire aussi le combat. Pour une communauté unie, celle qui est tournée vers l'autre, celle qui ne se replie jamais sur elle-même. Et j'espère que ce futur mandat, je l'espère, permettra de porter tous ces combats-là dans la continuité de ce qui a été mené. Il est un homme lettré, les sens du mot, lettré en culture juive, lettré en culture profane. Les grands hommes sont humbles et simples. Ils ont la capacité de descendre de leur position pour s'adresser à tous avec bienveillance, simplicité et humanité. C'est cet exemple qui doit nous inspirer chaque jour de notre vie. Bechavod, grand rabbin. Vous êtes tous et toutes des producteurs et des productrices d'intérêt public, d'engagement. Et moi, je trouve ça extraordinaire de nous rassembler et de dire qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Nous avons, avec le consistoire, avec l'ensemble des associations membres de la cellule de crise intercommunautaire, nous avons produit de l'unité. Dieu renouvelle tous les jours la création du monde. Si Dieu renouvelle la création du monde, non pas qu'il fait le même, il le renouvelle, Mechadesh. C'est bien pour nous dire que nous devons, nous aussi, renouveler, j'allais presque dire réenchanter, notre façon d'imaginer, de réimaginer le monde. Quel est le principe d'un leader? Ce que vous êtes, ce que nous essayons de faire. D'abord, c'est la capacité à travailler ensemble. Personne ne réussit à faire quoi que ce soit seul, personne. Un rabbin, c'est l'avocat de Dieu auprès des hommes et l'avocat des hommes auprès de Dieu. Je crois que nous devons construire du lien. Je crois que nous sommes assez forts, que nous avons la foi, que nous avons la résilience pour aller de l'avant, pour affronter toutes les questions, tous les problèmes qui s'amoncellent devant nous. Et je veux, avec vous, continuer à être engagé pour servir.